Ces vêtements sont si agréables. Oh, oui. Hé, viens ici, petite marmotte. Ah. Allons, on sait juste le soleil. Regarde, c'est magnifique. Waouh, c'est... c'est... Comme un rêve? Oui, on se croirait dans mon rêve. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens? Wouhou! Comme c'est beau ici! Amicia, on va jouer! Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Si, allons-y! Quel temps idéal pour partir en exploration. Oui! Des explorateurs d'îles! Trouvons d'abord la sortie. Wow, regarde-moi ça! C'est si grand! Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui! Je reste à l'affreux! À l'affût! On dit rester à l'affût. Oh, c'est moins bien. C'est... oui, c'est moins bien. Cet endroit, c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand. On s'y perdrait. Je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse. Oh non, trop de responsabilités. Bonne journée à vous. Bonjour. Merci. Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais comment? J'imagine même pas devoir porter ce casque. C'est la sortie par là? Les choses ont été compliquées. Demandons à ce garde. Ouais, j'en ai entendu parler. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi? Sophia, bonjour. Contente de te voir. Comment as-tu su? Où vous trouvez? C'est l'histoire de ma vie, trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Un oiseau! Tu as raison. C'est... celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Donc, un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau! D'accord, pourquoi pas? Là! Il regardait un autre oiseau! Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien te croire. Hé, là-haut! Le repas est prêt! Merci! Juste encore quelques tuiles. Bonjour à vous. Bonjour. Salut!
Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. À l'enfant! Tout ça est très beau, mais l'Église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison. Il faut être prompte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. On peut retourner chercher les oiseaux, Amicia. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien ne meurt. Tout sommeil. Rien n'est stérile. Tout attend. Aucun enfant. Ils existent déjà. Une fleur pour l'enfant, une pour la mère, une pour le père. Pas trop fatigué, Hugo? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Elle est grande, mais elle est belle. Je l'adore. Tant mieux. Ça n'a pas été facile, mais... C'est le dernier? On a bien fait de venir ici. J'ai hâte de rejoindre le festival. Moi aussi. Pour décorer ou apaiser, puissante comme le sol de la Kuna. Bonjour. 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 Vous allez vers le port? Oh non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Bonjour à vous. Alors, pas de bagarre aujourd'hui? Tout est calme. Ou bien? Oh, désolé. Mais bon, c'est quoi ça? C'est étrange. Ça, c'est une tombe. On appelle ça un tertre. Il n'y avait pas de tombe dans mon rêve. Oh, jetons un coup d'œil alentour. Tout va bien. Je suis sûre qu'ils sont gentils, ceux-là. Bien sûr qu'ils le sont. Ils font du miel. Et j'adore le miel. Moi aussi. Qui n'aime pas ça? Amicia, j'aimerais retourner voir les statues d'oiseaux. C'est intéressant. Allez, monte. D'accord. Il n'y a pas grand-chose. Attends, tu vas pas laisser une porte fermée t'arrêter? Explorons les lieux. Cette fenêtre, il y a quelque chose dedans. Retournons-y. Oui! Allons prendre la tour! Oh, tu veux tout conquérir? Seulement les tours. Le reste ne l'intéresse pas. J'adore les tours, parce qu'on peut monter tout en haut! On va trouver quoi, tu penses? Peut-être le nid de l'oiseau. Oh, là où il pond ses œufs? Hein? Tu crois que c'est une maman? Qui sait? Saleté d'échelle. Voyons ce qu'il contient. Au sommet.
Eh bien, allons-y. Waouh ! On peut voir partout ! Ça valait le coup. Jolie vue. Approche-toi. Regarde, tu peux te sentir comme ton oiseau quand il est perché en hauteur. Pas n'importe quel oiseau. Un oiseau de proie. Le roi des oiseaux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... là où je chasse. Et qu'est-ce que tu chasses? Des saucisses. Tu sais ce qu'ils font d'autre, les rapaces? Ils crient. Tu es prêt? Oui. Sophia va crier avec nous. Pas vrai? Je suis née pour crier. À trois. Un, deux, trois. Cui, cui. Allez, il est encore descendre. Tout le monde sait qu'on est là maintenant. Au fait, joli cri tous les deux. Le tien était pas mal non plus. Je sais, c'est ma voix de capitaine. C'est indispensable pour se faire entendre en pleine mer. Ton équipage doit adorer. Oh, ils s'en sont jamais plaints. Descends prudemment. Allez, descendons. Tout de suite. Une marque ici. Ça veut dire... Ça ressemble au code des contrebandiers. C'est un lieu de réunion ici. Ça sert à quoi? Quand les choses tournent mal ou qu'un équipage se sépare, ils laissent ces marques derrière eux, pour être sûr que l'un d'eux retrouve ce qu'ils ont caché. Un trésor? Plutôt des marchandises, vin, denrées. C'est un trésor pour certains. Intéressant. Je veux cacher des choses, moi aussi. Comme un beau caillou. Jouer à la bataille navale contre les Anglais. Eh, ça me plairait bien. Tu as un bateau? Tu peux le faire en vrai. Ah, t'as jamais vu une bataille navale de ta vie, hein? J'ai vu des combats. Un champ de bataille. D'accord. Reste sur la terre ferme, crois-moi. Regardez-moi cette beauté. Il doit être vraiment vieux. Vieux comment? Un olivier, des milliers d'années, je dirais. Vraiment? Mais il est tout tordu. Il est malade? Au contraire. Il est fort. Il s'est adapté. Elle a raison. Il a pris cette forme avec le temps. Il a dû voir tellement de choses. Lui aussi a des cicatrices. Je l'aime beaucoup. Dis-le-lui alors. Il t'écoutera. Je t'aime. Et je suis sûre que lui aussi, il t'aime. On repart? Oui. Mmh.
Tu vois, si tu les broies comme il faut, ça parfume les vêtements et le tissu. Comme ça, on sent bon les fleurs. Tout il regarde fleurs. Cette maison. La réponse est peut-être là. Où il y aura un autre oiseau. Allons jeter un œil. Tu vas aller à l'hôtel de la fertilité? Avec ma femme, oui. Cette année sera peut-être la bonne pour nous. Je vous le souhaite. Vous méritez d'être béni par l'enfant. Oh, t'as vu ce ciel? Oui, on ne pouvait pas rêver de jour plus radieux. J'espère juste qu'il ne fera pas plus chaud. Non, tout va être parfait. C'est une tente qu'il regarde? Pas sûr qu'un oiseau vieux de plusieurs siècles s'intéresse à une tente. Et si on allait voir, tout simplement? Oui! Bonjour. Bonjour. Nous sommes juste en train d'admirer cette sculpture. Ah, ne faites pas attention à moi. Je vois pas où est le prochain. Elle doit être cachée derrière cette petite colline. En avant! Ah, c'est jeune. À chasser les cailloux plutôt que l'or. Dis donc, elle est grande, cette famille d'oiseaux. Allons trouver le prochain. Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, c'est quelque chose d'important. Forcément. J'en suis sûre. La chasse aux oiseaux reprend. Comment font-ils pousser autant de fleurs? Peut-être que cet enfant des braises a vraiment un pouvoir sur cette île. J'aimerais bien faire pousser des fleurs comme ça. Et moi, j'aimerais bien faire pousser de l'or comme ça. L'or, ça sent pas bon. D'accord, t'as gagné. Oui, merci beaucoup. Occupe-toi de ça, Hugo. D'accord. C'est sans doute un frein pour arrêter le moulin. On peut retourner chercher les oiseaux, Amicia. Oh, ça a marché. Chut. Venez, partons, discrètement. Oui. Oh,
rentrer dedans? Pourquoi pas? Allons-y. Dis-moi, qui te vient cette fascination pour les moulins? On dirait des géants, avec des drôles d'épées boucliers qui tournent. Ah, moi je ne vois que des machines à moudre le blé. Je sais, Sophia. Je sais. Attention en descendant. D'accord. Peut-être que ça fera tourner le moulin. On monte. Vous avez entendu ça? Quelque chose a bougé. Oui. Mais ça venait d'assez loin. Étrange. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est typique de la Provence et des régions voisines. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de passage symbolique. La question c'est, vers où? Ou vers quoi? Ça a l'air magique. Intrigant. Un passage magique. Je dirais que cette échelle est une invitation. C'est vieux. J'ai l'impression que cet endroit a été utilisé il n'y a pas si longtemps. On dirait une maison de gobelins. Le seul gobelin ici, c'est toi. Alors toi, t'es une sorcière. Comment t'as deviné? Regardez, une porte dans le rocher. Et des dessins de moulins. Le mécanisme des moulins. Oui, où est-ce ça a permis va? De l'ouvrir. Ne t'inquiète ça, pas. Alors. C'est l'exploration, la vraie, on Hugo. Peut retourner. Oui. Je suis sûre qu'il y a un trésor par là. Tu sais quoi, gamin? Je crois que t'as raison. J'ai les mains qui picotent. C'est un signe. Bonté divine. Mince. C'est réel? Et pas qu'un peu. Un vrai repère de contrebandier. Et un sacré bon diable. Qui a construit ça? C'est incroyable. Tu crois qu'ils sont encore dans le coin? Ça a l'air abandonné. C'est le problème. Plus ton butin est fabuleux, plus tu as de chances de mourir vite. Oh ! Le trésor ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bijoux ? Un brassard ? C'est ancien. Essaye-le ! Il me va. Oh ! Il est trop beau pour le laisser là. Garde-le. Oui. C'est ton trésor maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus...
plus forte. Peut-être qu'il est magique. Bon, sortons d'ici avant que le fantôme d'un contrebandier ne vienne réclamer son dû. C'est incroyable ici. C'est mon endroit préféré. J'avoue, je me verrais bien vivre ici. Mais sinon, une jolie maison, avec un jardin. Je préfère quand on ne peut pas me voir. Oui, ça me plairait aussi de vivre dans une grotte. Seigneur, je me promène avec des chauves-souris. Je tiens plus du lézard, je dirais. Une chauve-lézard. Eh bien, pourquoi pas. Merci pour le conseil. Monte. Oui. C'est quoi ces choses dans le ciel? Des cerfs-volants. Vous n'en avez jamais vu? Non. En fait, c'est comme de minuscules voiles de bateau. Ils prennent le vent et ils s'envolent. Tu peux voler si t'en attrapes un? Non. Et voilà. Sors bien, je devrais t'engager. Je n'étais pas comme ça avant. T'inquiète pas, tu sais, je ne suis pas née contrebandière. On fait tous ce qu'il faut. Il reste encore beaucoup qu'est-ce de travail. Qu'est-ce qu'ils font? Mais oh, ça, c'est déjà magnifique. Les gens qui ne peuvent chère. Pas avoir d'enfants viennent ici pour être bénis. C'est touchant. J'ai entendu dire que c'est la comtesse qui a initié tout ça. Elle est tellement gentille. Le comte et elle. Ils ont l'air de s'aimer tellement, c'est... gênant. Inattendu, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, mettons-nous au travail. Les fleurs sont sublimes cette année. Oui, elles sont la vie incarnée. Ah. Ce bois est tout humide, non? Oui, mais je vais y arriver quand même. Rien ne meurt. Aucun enfant. Oh, regarde! On peut voir ton bateau, Sophia! Il est si petit! Oui. Et même tout petit, il reste sublime. Je ne pensais pas qu'on serait si haut au-dessus de la mer. Un oiseau ! J'ai l'impression qu'ils nous ont conduits en spirale. Et on s'approche du centre. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des colonnes. C'est si beau. Sacrée trouvaille. Une sorte de théâtre antique. Oui, ça a l'air important.
Voyons voir ça. Là, l'oiseau. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper. Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. Allez, monte. Dommage qu'on n'ait pas de torche. Ça aurait réglé le compte de cette herbe en un rien de temps. Ton oiseau nous a montré la voie. C'est l'île. C'est une carte de Lacuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimiste, lui aussi très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants. Celui-là. Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents. On les appelle las madres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Grimpe. Tout de suite. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Donc, on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimistes, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est... particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin! C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... c'est réel, Sophia.
En Guyane, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non, allons-y. Ça promet d'être long. Le premier! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Froussard! Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue. On est loin d'être arrivés. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver, là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Oh, de l'eau de source! Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en une seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, hey, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Ah. Attaque d'eau. Hé hey. Contre-attaque. Pour les deux runes, Hugo. D'accord, d'accord. Pour je me rends. Deux runes. Je suis trempée comme une soupe. Navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Ce sanctuaire est immense. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surpris. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance alors. J'espère qu'elle ne nous attaquera pas. Oh allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie! Oh, ça oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur? Tramontane, oui. Dans cette maison, peut-être? Waouh, c'est une vraie mission de sauvetage. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, ça passe. Si elle est pas, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas, tu as deux femmes fortes pour te protéger.
y a un trou dans le mur. Hé, c'est à toi de jouer. D'accord. Mon héros. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais... souvent. Ouais. Vite, vite. Tu as réussi. Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois, c'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Oui. Rentre vite. Ton papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Pourtant, il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre? Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Allez, monte. On a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Nous redoublons. On monte. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. Oh. On fait quoi des dernières offrandes? Elles restent ici pour le moment. On les déposera là-haut après la cérémonie. On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Non, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde, uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Oui, c'est ça le plus important. Essaye ici. Ça a marché. Dès qu'il est parti, ça dure jamais longtemps. D'accord. C'était sûrement rien. C'est chaud, hein? Ces foutus uniformes. Tu connais le compte. Faut faire ça dans les règles. Ouais. Prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. On va se poster près des ruines. Il y a plus d'ondes. De la fumée? Elle vient d'où? C'est presque trop facile. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Pas de quoi s'inquiéter. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo. Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Des fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats! Des soldats! Cachez-vous vite! Ouvrez l'œil!
en armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tué, soit chassé de l'île. On va faire un beau feu. Je perds mon temps. Ils ont trouvé d'autres zones d'Arnaud ? Je pense pas. Il y a trop de monde sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Les ordures. Gâchez le moment le plus important de l'année. Jamais. On les laissera pas faire. Rien. Hey, c'est bon. On ne veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la paix, pas les armes. Sophia, utilise ton prisme. Ça brûlera sans problème. Hein? De la fumée? C'est quoi? Regardez, ça marche. S'inquiéter. Hein? On a affaire à des petits plaisantins. Trouvez-les vite! Quelqu'un se cache dans le coin. Tout le monde aux aguets!
fouiller les environs. On n'est pas seul. Compris? Mais... en voilà d'autres. Ah, on oublie. On a des intrus. Restez vigilants. On a de la compagnie, je suis sûr. Criez si vous les voyez. Forcément eux. Ça doit être une de leurs ruses. Ah, je savais qu'ils s'arrêteraient pas là. Hein? Inutile de vous cacher. Je vous suis de près. On va y arriver, les amis. On y est presque. Ouh. Oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix ? De raviver ses braises. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère ? Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Thank you.
Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Waouh! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Kuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. La Kuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui, c'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. C'est fresque. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la Macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la Macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Oh, j'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. L'enfant est fort. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal est triomphé.
Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Ils rêvent d'un feu renaissant. Vous êtes de retour de votre temps. J'ai peur. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Oh. Oh. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de la vie ranimer cette flamme. Hé, c'est moi. Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Incroyable. Tu l'as dit. Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison.
C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça ? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici ? Oh, une cabane ! C'est vrai ? Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre ? C'est la sienne ! C'est la chambre de Basilius ! Tu imagines ? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non ? Oui ! Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes ? Moi aussi. Il avait un phénix ! Oui ! Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être ? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre ? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens, on n'a pas tout vu. Waouh ! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Eh bien, quoi ? C'est l'armure d'une dame. Oh ! Aelia ! C'est sa chambre, bien sûr ! C'était elle, sa protectrice. Protectrice ? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Des épées, des lances. Waouh ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde ! Hé, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix ? C'est l'ordre. C'est juste ça. Oh, désolé. Mais non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord ? C'est quoi tout ça ? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant ? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non ? Oui, mais... Non, tu as raison.
chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans ? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? Vide. Non, ton sang ! Hé ! Moins fort ! On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Hugo, t'as trouvé quelque chose ? Cette table... Il le mettait dessus. Attends, j'arrive. Hé, hey, ça va pas ? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé, hey, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai ? Tu as laissé Vaudin... Non ! J'ai voulu l'arrêter. Mais... Je sais que tu as essayé. Pardon. Hé, hey, venez voir, vous deux. Sophia ? Où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivée là ? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi, ça ? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... salle d'observation. La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. C'est quoi ça ? Des parchemins. Sur Basilius sans doute. Ils sont en latin. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... ça parle de Basilius... et d'une... à... Aelia Dragas. Sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau, t'es sûre ?
Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le Père. J'attends ta venue. Je suis la Mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elles voulaient dire. Elles disaient que tout serait facile, Hugo. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûr? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. On y est presque. Oh, c'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon, avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau, on aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à ton ancêtre ? Bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant? Oui, bonne idée.